pense même pas. Mis à part, mais la raison n'y est pas. Des suites au quoi? A perdu confiance en soi. Ces heures d'un soir, le silence est roi. Subit toutes sortes de violences, sans cesse ça recommence. Jugé par son physique, ses différences. Y'a plus place pour la tolérance face à la force du groupe et son arrogance. Ses faiblesses la prennent de haut, submergées par ses émotions et sa culpabilité, noyées par ses larmes. Son moral, la tête sous l'eau. Habité par la solitude, l'impression d'être abrité, tremblant de peur, en entendant le téléphone vibrer, subissant les heures. Une seule envie, celle de tout oublier. Qui concerne tout le monde. Oser élever nos voix, ça concerne tout le monde. S'entraider, agir autrement, une fois pour toutes, stopper le harcèlement. On parle d'un combat qui concerne tout le monde. Oser élever nos voix, ça concerne tout le monde. S'entraider, agir autrement, une fois pour toutes, stopper le harcèlement. Épuisé à force de battre contre soi-même, on culpabilise et devient notre propre adversaire. On pense être la cause de tous nos problèmes, si seulement les autres étaient solidaires. Les autres, ceux qui restent à côté, qui encouragent à force de rigoler, qui se rendent complices par leur inaction, alors qu'ils détiennent peut-être la solution. Les liens d'amitié se dénouent par crainte des représailles. Regarde ailleurs quand on encaisse les coups. Je sens pas de taille. Je reste content de la main pour libérer le poids que je traîne dans mon cartable. Et briser la chaîne et retrouver le chemin du portail où tous les rêves sont réalisables. Le portail où tous les rêves sont réalisables. Élever nos voix, ça concerne tout le monde. S'entraider, agir autrement, une fois pour toutes, stopper le harcèlement. On parle d'un combat qui concerne tout le monde. Oser élever nos voix, ça concerne tout le monde. S'entraider, agir autrement, une fois pour toutes, stopper le harcèlement.